Salut tout le monde, aujourd'hui donc on se retrouve à Saint-Paulien pour la troisième étape du Dauphiné. Donc du coup ça fait quand même un petit moment que j'aurais aimé avoir une photo avec Wout Van Aert ou Primoz Roglic. Si on peut faire les deux tant mieux. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Normalement à Saint-Paulien je pense qu'il n'y a pas énormément de monde, donc on va essayer de faire le tour. On va faire le tour des coureurs. On va aller vers Jumbo Visma pour essayer d'avoir les photos. Si je peux prendre en vidéo aussi le vélo de Wout Van Aert, je le ferai. Et puis voilà, bon bah allez, c'est parti. Donc moi mon but bah, c'est d'aller voir les coureurs de plus près, il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup bah, je vais aller aux interviews, tout ça, pour essayer de voir les coureurs de près, de les filmer de près. Et peut-être avoir des photos avec des grands coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le Tour de France ou autre de proche. Allez c'est parti. Contre la montre individuelle, vainqueur du Tour de Chine, c'est Camille. Maillot jaune sur le critérium du Dauphiné, c'était il y a 3 ans, lorsqu'il avait remporté l'étape de Craponne-sur-Arzon devant un certain Guillaume Martin. Cette année, ils se sont imposés cette année sur la planche wallonne, mais également sur Boulan-Sorémo. Victoire depuis le début de la saison, on les salue au départ de cette troisième étape. Avec à commencer, bien le premier qui nous a rejoint, il est normand, il est originaire du département de l'Orne. Il a brillé. Centre du podium, il a 23 ans, il est espagnol, il découvre l'épreuve. 11e du Tour de Turquie, il a été champion national. Un autre coureur originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi remporté le Tour de Man ainsi que l'étape reine de cette épreuve. Et en face, Romain Grattard n'a pas empêché à ses côtés un autre breton. Allez voilà, donc du coup le départ va être donné à l'instant. Plutôt content quand même. Plutôt content, j'ai pu avoir quand même pas mal de photos avec l'équipe Jumbo Visma. La plupart disent que c'est quasiment impossible, comme quoi c'est possible. Voilà, donc à la prochaine, merci à tous. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et à me suivre sur cette chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ a été laissé par Laurent Dublon, sonateur, accompagné par Michel Berger.
deuxième accroche à Saint-Paulien. Il a signé par donc cette troisième étape du Prix d'Ayurvédé 2022, destination de Chastres-Sancy, une étape de 169 km, la qui se trouvera sur les routes de deux départements, le département de la Côte et le département du Puy-de-Dôme. Il y a aussi un arrivé très attendu à Chastres-Sancy.